1 et c'est partout. Messieurs, vous partez avec un handicap de 5 minutes sur le premier peloton. Les 3 et juniors, bonne course à vous. Thank you.
Allez, Julien, dernier tour. Allez, accroche, dernier tour. Accroche, accroche. Il suit Franche-Comté et Marc Madiot a repéré qu'il y avait deux étapes de formation. Sera donc le compétiteur qui va remporter, voilà. Voilà, très beau final qui nous a été proposé, mesdames et messieurs, sur cette dernière manche du Crédit Mutuel. Erwin prépare les cyclocross, il viendra nous retrouver dans quelques instants au micro. Il nous fera part, bien entendu, de cette course. Le peloton, première catégorie, ils étaient une 12-13 compétiteurs dès le départ. Ils ont fait de gros efforts pour revenir. Ils avaient 5 minutes à combler. On se souvient que les derniers ont gagné le dernier 3e du championnat de Franche-Comté. Voilà, Erwin Gras avec ses collègues, directeur sportif, félicité. Erwin Gras donc qui va venir nous retrouver au micro dans quelques instants. On va faire le point de la course avec Erwin. Là vous êtes fort, hein, parce que vu comment vous courez les gars. L'année d'avant, oui, l'année d'avant j'avais eu des bons résultats, mais l'hiver dernier, non, j'étais vraiment arrêté. Pour multiples raisons, donc cette année je suis vraiment reparti de zéro. Et donc voilà, maintenant j'espère que ça va payer pendant les prochains mois qui arrivent. On va revenir bien entendu sur cette course du prix de Velaine, comment ça s'est passé.